Nous bien content recevoir ce qu'on a fait sur tirage avec remise et sans l'ordre. Tirage ça, il connaît le tout, combinaison avec répétition. Symbole pour combinaison avec répétition, c'est K majuscule. Une combinaison avec répétition de P dans N égale une combinaison sans répétition de P dans N plus P moins 1. Et si nous développons formule ça, l'APKA ban nous deux formules ça. Yo tous les deux équivalents. Pour nous comprendre sens formule là avec sens tirage avec répétition et sans l'ordre là, on nous prend un exemple. On nous suppose que nous gagnons 5 tiroirs avec 3 boules identiques. C'est combien de façons différentes nous avons placé 3 boules dans le tiroir? Dans la situation, ça, c'est comme si ce tiroir est choisi pour mettre le ballon. Pour que 5 tiroirs, on choisit 3 là-dedans pour capable mettre le ballon. Mais comment ça va passer? Ou ka choisi yon tiwa ou met ton ballon, kon yon tiwa sa ou toujours considéré l'encore. L'on va le choisi ou capable de choisir. Donc ou ouvron l'autre tiwa ou mettons l'autre ballon, et ou ouvron l'autre tiwa ou mettez le troisième ballon. Donc, ça qui arrive, c'est même tiwa ou choisi trois fois. C'est ça qui fait nous dit que tirage là, gen remise. Nous dit tirage là, pas gen l'ordre parce que boule identique. Par exemple, yon moun avec boule identique yo, ou capable di wap choisi tiwa 1 2 3. C'est-à-dire ou mettez yon dans chaque tiwa sa. Mais si boule pas identique, yo t'ap gen yon numéro sou yo par exemple. T'ap gen boule 1, boule 2, boule 3. Donc là ça yon moun ou te ka vini, ou mettez boule 1 dans tiwa 1, boule 2 dans tiwa 2 et boule 3 dans tiwa 3. Kon sa tout l'autre moun li même te ka vini, li mettez boule 3 dans tiroir 1, boule 2 dans tiroir 2 et boule 1 dans tiroir 3. Donc le fait que boule yo pas identique là, ça va rendre que l'ordre là important. Mais dans situation que ni a, yo dit nous boule yo identique. Donc c'est ça qui fait nous capable conclure que l'ordre là pas important. Mais qu'on y a là formule ça que nous est là, nous est grand K de pi dans n qui égale à combinaison sans répétition de p dans n plus p moins 1. Ça c'est une formule que nous pas comprendre côté le sorti. Pour nous expliquer côté le sorti, à nous considérer boule avec tiroir. À nous représenter tiroir par système ça. Bar horizontal yo représenter séparateur entre tiroir. Nous connaissons 5 tiroirs, donc ça fait 4 séparateurs. C'est ça qui fait tout, nous avons 4 barres horizontales. Kounya, on nous place boule. Par exemple, dans une configuration comme ça, il y a une boule dans le tiroir 1, une boule dans le tiroir 2, une boule dans le tiroir 3, et puis 0 boule dans le tiroir 4 avec le tiroir 5. Dans la configuration, ça lui-même, il y a une boule dans le tiroir 1, 2 boules dans tiroir 2 et puis 0 boules dans tiroir 3, 4 avec 5. Dans la configuration ça lui-même, il y a une boule dans tiroir 2, une boule dans tiroir 3, une boule dans tiroir 4 et puis 0 boules dans tiroir 1 avec tiroir 5. Donc, nombre de façons qu'on arrange là, c'est comme si c'est ensemble de boules avec ensemble de barres bleues qui va arranger différentes façons. Et nombre de façons, c'est comme si vous avez 7 éléments qui sont 3 boules avec 4 barres qui représentent 7 éléments. C'est comme si vous avez choisi 3 là-dedans qui représentent côté boule. Donc, nombre de façons que vous avez fait là, une combinaison sans répétition, c'est-à-dire C de 3 dans 7 qui égale à valeur ça que nous avons là. Ou te ka considérer le tout comme si c'est 4 côtés ou choisi pour placer séparateur. Le ça, étape 1, combinaison de 4 dans 7 qui égale
à même valeur. Donc, une combinaison avec répétition de 3 dans 5 équivalent avec une combinaison sans répétition de 3 dans 7. Et 7 égale 5 plus 3 moins 1. Donc, par identification, P égale 3, N égale à 5, et puis N plus P moins 1 égale 7. Donc, une combinaison avec répétition de P dans N équivalent à une combinaison sans répétition de P dans N plus P moins 1. À nous prenons l'autre exemple encore. À nous considérer un jouet de domino. Combien zo un jouet de domino gagne? Bien sûr, nous tous nous connons réponse ça parce que nous connons jouer domino. Un jouet de domino gagne 28 là-dedans. Mais qu'on y a là, ça fait le 28 là. On a regardé dans domino avec ça qui passé. C'est comme ce qu'on ensemble blanc, l'as, 2 3 4 5 6 et puis on prend 2 là-dedans. Nous dit que dans choix qu'on va faire, gagne remise parce que gagne double dans domino. Ou ka fin choisi l'as et vous rechoisir encore pour former double as. Nous dit que l'autre là pas important parce que dans domino nous est 2 5 mais nous pas avoir 5 2. C'est-à-dire que façon qu'on assembler 2 5 avec 5 2 hein, il pas important pour vous. L'autre choisit 2 avec 5, il va y un seul bout. Donc dans situation ça bien remise et puis l'autre là pas important. C'est ça que fait pour résoudre li ou capable appliquer formule que nous t'ai démontré là, c'est-à-dire on va faire k de 2 dans 7 qui égale 28. On nous prend l'autre exemple encore. On nous suppose que ou gagne 2 machines et puis on va ranger 15 boîtes là-dedans. En sachant que machine yo gros en pile, chaque grande machine ka prend tous les 15 boîtes. Yo. Donc c'est comme une façon différent ou capable ranger boîtes yo dans machine ça. Dans situation ça encore, nous dit que gain remise parce que chaque machine ka prend autant de boîtes que vous voulez mettre là-dedans. Nous dit pas gain load parce que boîte yo identique. Donc façon que y a arrangé à même genre avec problème tout à l'heure avec boulio, li pas important. Donc ça son tirage encore qui avec remise et sans l'ordre. C'est ça que fait au capable juste appliquer formule k de 15 dans 2 qui égale à chiffre ça. Une autre façon tu ka choisi faire ça, ou tu ka choisi faire à la main sans que on va utiliser formule. Là ça on va contrôler toutes possibilités. Et une possibilité que vous gagnez, vous t'ka mettre 0 boîte dans première machine là et puis 15 dans deuxième là. Ou sinon, vous t'ka mettre une dans première et puis 14 dans deuxième là. Ou bien 2 dans première, 13 dans deuxième là. Ou sinon, 3 dans première, 12 dans deuxième là. Et si nous continuons comme ça, on a privé dans, on va mettre 15 dans la première et puis 0 dans la deuxième. On nous visualise toutes possibilités au gagne. J'en ai regardé là. Première colonne dans tableau ça représente nombre de boîtes qu'on mettait dans première machine là et puis deuxième colonne représente nombre de boîtes qui dans deuxième machine là. Et combien possibilités ça fait au total? Nous au total, il y a 16 lignes. Donc, ça veut dire qu'il y a 16 possibilités. Nous avons le même résultat à tout à l'heure. Le nous avons fait k de 15 dans 2 qui égale 16. Dans la situation, ça, nous avons choisi 2 machines, mais nous avons fait tirage à 15 fois. Donc, PA supérieur à N. P égale 15. Et puis n égale 2. Ça possible parce que tirage a fait avec remise. Donc l'offin prend ou remettre la dedans encore pour choisir. Si tirage a pas fait avec remise, PA pas cas supérieur à n. Donc
Depuis cette situation côté que ou a font tirage et puis gain remise et puis l'autre là pas important, nous capable utiliser notion combinaison avec répétition ou soit tirage avec remise et sans l'autre. Donc c'est là m'a quitter nous. Moi dis nous merci. Bye bye, à la prochaine.